voit encore une fois de plus de venir devant vous pour une réflexion comme annoncé dans nos premières émissions que cette année, nous allons beaucoup réfléchir sur la marche de notre République démocratique du Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. En tout cas, bienvenue encore sur Réflexion. C'est une tranche de contact pro-live que nous avons créée cette année. Mon nom, c'est Germain Kaindo. Nous émettons, donc nous enregistrons nos émissions à partir de l'Afrique du Sud où nous nous retrouvons. Et donc nous réfléchissons chaque semaine de la marche de notre pays. Donc nous avons tous ce devoir-là d'apporter une pierre pour la reconstruction de notre pays. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons parler? Comme nous avions dit hier que nous allons essayer un peu de rester dans le discours du président de la République parce que nous, le discours de la de son investiture, son premier discours, parce que ce discours-là était attendu et c'est à propos de ce discours-là que nous allons voir où est-ce que le pays se dirige. C'est dans ce discours-là où nous avions dit qu'il a donné le sommaire de ce qu'il pouvait faire en République démocratique du Congo. Donc, nous resterons dans ce discours-là. Hier, je vous ai dit que Fatshi était pratiquement, il avait parlé, il avait brossé de beaucoup de choses, il a piqué des ci, de là. C'était un discours sommaire. Mais aujourd'hui, maintenant, nous allons venir de l'autre côté de l'opposition. Qu'est-ce que l'opposition a piqué? Et nous allons réfléchir sur ce que les opposants ont dit, ce que les opposants pensent. Et par là, nous allons donner notre réflexion de ce discours sommaire, bien qu'il est. Mais c'était un discours fort, comme je vous avais dit. Fatshi a donné un ton, Fatshi s'est révélé convaincant dans son discours, moi je pense, ça c'est mon point de vue. Il a martelé sur ce qu'il pouvait marteler, il a dit qu'il a entendu son peuple, il a entendu le cri de son peuple, il a vu ce qu'il pouvait faire et il a décidé que rien ne sera plus comme avant. Il va s'atteler à corriger les erreurs justement de son premier mandat afin qu'il puisse répondre effectivement à ce que le peuple lui demande. Voilà un peu dans lequel maintenant, dans ce contexte-là dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire le discours de Félix Tshisekedi prise par l'opposition. Et c'est par là que nous allons encore revenir pour nous dire, pour donner aussi notre réflexion. Parce que hier, c'était la réflexion de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble avec les opposants. Et pour cela, nous allons prendre ce qu'ils ont dit. Effectivement, dans une émission sur Radio Okapi, ça sera le prince Epenge de ADD Congo et puis M. Ferdinand Kambere. Les deux ont pratiquement dit ce qu'ils pensaient de ce que le discours de Fatshi, de son investiture, quoi. Ils ont dit absolument ce que pensait l'opposition. Et nous allons aussi maintenant réagir à leur propos et voir quelle est notre réflexion, comment est-ce que nous pensons que les choses pourront aller de mieux avec ce qu'ils pensent. Mais avant d'aller un peu plus loin, comme d'habitude, aujourd'hui c'est un mardi, donc mardi le 40e aujourd'hui, nous sommes le 23 janvier 2023, nous allons vous donner le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Et nous revenons tout de suite après pour développer notre sujet, disséquer ce que disent les opposants vis-à-vis du discours de Félix Tshisekedi. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Les Rwandais jugent d'incendiaire le discours du président burundais tenu en RDC. Et puis, dialogue majorité-opposition proposé par Tshisekedi, cette réaction du camp Fayulu. Et puis, à Cannes 2023, la fédération marocaine fixe l'opinion sur le problématique RDC-Maroc. Actualité.cd, ici nous allons voir RDC selon les résultats des législatives, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, bien positionné pour être le premier force politique de l'opposition.
Et puis, RDC Massissi, depuis début janvier, les milliers de déplacés sont en détresse suite aux affrontements entre l'armée et le M23. D'autres sont arrivés au sud de Kivu. Et puis, RDC, la force de la SADC s'apprête à s'engager contre le M23. On va sur Congo profond. CAF enquête contre la Fédération royale marocaine de football et la Fédération congolaise du football. Ça, c'est le CAF qui a engagé des enquêtes. Barrick, présentation le mercredi 14 février des résultats du 4e trimestre et de l'exercice 2023. Mine, le magazine de Business Time, plébiscité Dr Marc Bistrot, meilleur leader. 7 sur 7. La CAF ouvre une enquête contre la RDC au Maroc. Et puis, l'IGF s'engage à renforcer la lutte contre les antivaleurs dans la gestion publique. Merci. Nous allons terminer par Radio Okapi. Deux groupes armés entrent les hostilités afin de permettre à la relance des activités agricoles à Irumu. Arrête plutôt. Les hostilités. L'Afrique du Sud veut que la RDC retrouve la paix pour son développement. Il y a un envoyé spécial du président Ramaphosa. Dialogue entre majorité et opposition. Prince Mpenge salue l'initiative de Félix Tshisekedi. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà. L'actualité est toujours prédominée par cette Milelo Yaba opposant Oyo, liste Xeni, donc Kadima, Azaka Kako, ko cartonné Kuna, Batuaza Kolela, les gens, disons, nous sommes entrés dans ce qu'on appelle les contentieux électoraux, les gens réclament leur voix, tout ça, mais entre-temps, c'est à partir de ce 25, je crois que, non, c'est le 29, je crois que le Parlement sera appelé assiégé pour essayer un peu de dégager la majorité et toutes ces histoires-là. Et donc, à partir du 25, je crois que la Cour constitutionnelle est en train d'examiner maintenant les revendications des uns et des autres pour le faire entrer dans leurs droits. Alors, comme je vous avais dit, le discours du président de la République était clair. Le président a dit ce qu'il pensait de son premier mandat. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Quel est le point de vue des autres? Qu'est-ce que les autres pensent effectivement de ce que Fatty devrait faire ou de ce discours-là? Quelque part, dans ces gens qui ont été dans qui étaient présents comme opposants, nous avions vu Fayoulou présent, les Katumbi n'étaient pas là, Kabila aussi n'était pas là, donc pratiquement l'opposition elle n'était pas représentée suffisamment à l'investiture du président. Ça disait quelque chose, effectivement. Baninga wana soki bazate ata ozoloba, comme les gens disent, Kabila a dit que bola mbabo sala na bino nyonso biso tokoya na biso te. Alors, d'abord suivons ce que a dit Ferdinand Kambere. Donc Ferdinand Kambere, nous allons le suivre et voir ce qu'il a dit effectivement à propos de ce discours-là du chef de l'État. Secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Quelle est la réaction du FCC à cette main tendue du chef de l'État à l'endroit de l'opposition? Mais à suivre l'extrait du discours du chef de l'État, comme vous l'avez dit, mais aussi l'intervention de Jacques-Mès Chabani, qui était son directeur de campagne, vous comprenez bien qu'il n'y a aucune main tendue à quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui a gagné ses élections dans leur compréhension, et qui n'a besoin de personne, qui appelle plutôt ce qu'il appelle l'opposition, je ne sais pas laquelle, parce que cette opposition-là, bon, je voudrais bien qu'au moins il s'adresse encore ici à l'opposition qui était à ces élections. Et nous qui avions dénoncé le processus dès le début
et qui continuent à faire constater que les révélations de cette organisation chaotique de sélection de ces élections ne permettent même pas qu'on parle des institutions légitimes et légales qui sont ici de ces élections-là. Les contestations continuent par ceux-là qui ont été à ces élections-là. Donc vous comprenez bien la difficulté que nous avons d'attendre sa voix vers une issue où il tendrait une main à une quelconque opposition qui aurait participé, tant que celle-ci conteste aussi ses résultats et que nous continuons, nous, à dénoncer le fait que le processus tout entier était chaotique, était fraudulé et que donc à l'issue de la fraude, personne ne peut se vanter de quelconque résultat à ces élections-là. Voilà, vous dites qu'il n'y a pas... Quand je vois, moi, ce qui se passe aujourd'hui, alors qu'il a prêté serment, les gens étaient en train de manifester un peu partout, les grognes partout, même au sein de l'Union sacrée, je me dis, avant même qu'il s'adresse à l'opposition, à cette opposition qu'il appelle opposition, mais à laquelle il n'a même pas permis, par son Kadima, qui était là, à ce qu'il y ait des élections libres et transparentes, les machines venaient à 15h, d'autres le lendemain, d'autres 3 jours après, d'autres... Ils pouvaient ne fût-ce que s'adresser même à sa propre, ce qui serait supposé comme être sa propre majorité, parce qu'on sent bien qu'il y a déficit. Même là, il va bien vouloir concilier les autres avant que, alors que chez lui ça brûle, même au sein de l'IDPS, on voit les cadres qui révèlent, qui font des révélations. Donc c'est ça, Guillaume. Oui, donc pour vous, il y a des problèmes. Il ne s'agit pas d'une main... Il y a des problèmes, il a créé une crise profonde dans le pays. Écoutez, maître. Oui, donc si on vous suit très bien, il y aurait des problèmes. Le premier, c'est qu'il n'y aurait pas de main tendue des chefs d'État à l'endroit de l'opposition. C'est ce que vous dites. Alors, s'il n'y a pas de main tendue, il s'agit de quoi? Ça, c'est un. Le deuxième problème pour vous, c'est qu'il y aurait des fissures au sein de l'UDPS. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, ça veut dire que au moins il parlerait de l'opposition si au moins on savait bien, le peuple là savait bien que même ce dont il se vanterait comme majorité, on ne sentirait pas les débats qu'il y a aujourd'hui par rapport à la répartition des sièges, comme eux-mêmes disent, tels que les gens ont été nommés. Ceci par rapport à quel parti, parce que c'est son parti au pouvoir, les autres, discrimination totale, mais personne ne revendique des élections réellement libres, démocratiques et transparentes. Non, personne ne revendique des résultats sur base des élections qui sont acceptées par tous, même sa propre majorité. Quand on disait l'Union sacrée, l'avantage pour eux, c'est que tous, même quand ils revendiquent, ils sont dans les réseaux sociaux, ils sont dans les vidéos, et que ça circule partout, et ça fait la honte de la République, ça fait la honte même de tous ceux-là qui sont venus assister à cette cérémonie de prestation de serment. Donc, ce qui continue à vous préoccuper, si on vous a bien compris, c'est la manière dont les élections se sont déroulées. C'est exact, parce que nous avions, comme FCC, déjà dénoncé cela, que Félix n'avait pas la volonté d'organiser des bonnes élections dans notre pays et que même la guerre à l'Est était entretenue sciemment entre lui et les gens de l'EAC. On les a vus être le premier à venir les saluer et que donc ça, c'est approfondir la crise et la crise continue à être profonde dans notre pays. Il n'a résolu aucun problème, ni un problème politique de crise, ni un problème de légitimité du pouvoir, ni un problème de l'égalité du pouvoir. Donc, comme l'a dit Lamouka, pour vous, FCC, vous serez aussi disposé à discuter avec les chefs de l'État seulement si il s'agit de parler du chaos, c'est ça le terme qui a été utilisé par Lamouka, du chaos électoral. C'est exact. Hein, on ne peut parler aujourd'hui. Si on veut vraiment parler de ces élections, alors nous parlons de toute la situation politique dans laquelle, surtout le chaos dans lequel Félix a plongé le pays, et que c'est dans la cohésion que nous ne sentons ni à ce qu'ils appelaient majorité, on ne sent plus rien. Et il veut diriger comme un homme seul et qui commence à appeler les autres, venez, moi j'ai la solution, et ainsi de suite, ou comme... mon frère Jacquemet est en train de le dire là, bon, lui a comme une opposition. Est-ce qu'il a respecté la Constitution?
Et donc, vraiment à Laval, il n'a rien respecté, ni la Constitution, ni la loi. Kadima lui-même avec sa CENI n'ont respecté ni la Constitution, ni la loi. Où est-ce qu'on a vu des élections être organisées pendant toute une semaine? Où est-ce qu'on a vu ça? Et donc, vous n'écarterez pas l'éventualité des discussions, ni reste avec les chefs d'État? Ça veut dire, s'il a encore au moins un peu d'amour pour ce pays, c'est d'abord remarquer qu'en réalité, ce qu'il a semé, c'est la crise. Et que la crise, ce qu'il est en train de vouloir constituer comme institution, tant que ce sont des institutions illégitimes, illégales, il ne saura même pas résoudre ce qu'il a aussi semé à l'Est comme la crise profonde et sécuritaire. Sauf si il y a cette volonté, ensemble avec lui et les gens de l'Union de l'EAC, de vouloir entretenir la population dans la misère, comme vous les sentez, que c'est des communs accords qu'ils ont voulu créer cela. Et que donc, si on veut vraiment, s'il a encore un peu de sens d'humanité, parce que c'est même la crise humanitaire, la population là, qui s'en occupe encore. C'est la situation sécuritaire. Et aujourd'hui, sans institutions politiques stables, crédibles, légitimes, est-ce que nous pouvons encore parler de la chance pour ces pays de se reconstruire dans une démocratie? Non! Voilà. Je crois que vous aviez entendu. Au fait, la question était, quelle était la question? Ici, il demande, le journaliste a posé la question de savoir si, comment est-ce qu'il prenait la main tendue de Félix Tshisekedi à l'opposition. Parce que dans son discours, comme je vous avais dit, c'était un discours sommaire, et donc Félix a manifesté aussi l'intention démocratique de donner à l'opposition sa place. Et donc, l'opposition, c'est une main tendue que le président Félix est en train de tendre à l'opposition en leur demandant que non, vous auriez votre place. Vous aviez entendu, ça c'était le point de vue de Ferdinand Kambere. Nous allons maintenant prendre aussi le point de vue de Prince Epengue. Prince Epengue aussi qui intervenait aussi dans la même émission, mais nous allons maintenant, après lui, nous allons essayons un peu de regarder effectivement où est le problème, qu'est-ce qui se passe effectivement et qu'est-ce que nous en savons, nous, à Contact Pro Life, et qu'est-ce que nous pensons qui pourra être quelque chose de bien. Alors, suivons presque un peu Epengue aussi dans ce qu'il avait dit dans l'introduction de cette émission-là. Car après ça, moi, je pense que ce qu'ils ont dit après n'était que les compléments, mais l'essentiel, c'est ce qu'ils ont commencé par dire, leur point de vue sur la main tendue du président de la République à l'opposition, en leur demandant qu'il devrait, en principe, être aussi valorisé. Suivons Prince Epengue. Écoutez, ne faisons pas comme si tout s'est passé dans les règles de l'art. L'organisation des élections répond à un certain nombre de principes. Les élections ont été organisées, ou ces simulacres d'élections ont été organisés pendant 7 jours et 7 nuits, sans observateurs, sans témoins, en violation de la Constitution, en violation du calendrier électoral, en violation de la loi électorale. Un bon médecin ne peut pas avoir peur du sang. Un bon pilote ne peut pas avoir peur du vide. Un bon homme d'État doit regarder les choses en face. Et c'est ce dont le commandant du peuple Martin Fayulu parle. Et c'est ça ce que Moïse Katumbi a, ce que je pense, parle également. Il faut qu'il y ait des discussions franches pour dégager les responsabilités si le chaos électoral, cette anarchie volontairement construite par M. Kadima. On n'a pas donné 1 milliard 300 millions à Kadima pour organiser un tel chaos. Je ne sais pas comment tu peux m'expliquer qu'à Kitambo Magasin, ici, les jours du vote, que les machines arrivent 2 jours après.
Je ne sais pas comment Kadima peut m'expliquer qu'ici, à Maluku, c'est au troisième jour que certains bureaux ont ouvert. Si ce n'est une volonté délibérée de créer une confusion pour que tout le monde se perde. J'aurais souhaité que mon aîné Félix Tshisekedi commence par reconnaître les chaos que tout le monde a décrié. Suivez son allocution du début jusqu'à la fin. Et peut-être que c'est pour cette raison que les Congolais ont préféré faire autre chose que de suivre son discours. Vous remarquerez que... Vous êtes certain qu'ils n'ont pas suivi? Les Congolais n'ont pas suivi. Les Congolais ont suivi les mots de l'opposition. Les Congolais ont manifesté à leur manière. Certains sont restés à la maison, certains sont allés au chat, certains sont allés chercher quoi manger, à part les gens à qui on a donné 15 000 francs, 20 000 francs pour aller au stade. Et d'ailleurs, les mêmes personnes qui sont allées au stade ont chanté « Dollar et Mati, Dollar et Mati, Dollar et Kita, Dollar et Kita ». Les mêmes publics qui ont été payés à chanter. Vous vous dites combien les Congolais sont exsangues, combien les Congolais sont étouffés. Et donc, vous souhaiterez des discussions franches avec le pouvoir? Nous disons par principe qu'on ne peut pas préciser de parler entre frères. Mais parler de quoi? Mais parler évidemment de ces chaos électoraux. Vous savez qu'une nation ne vit pas que de ses richesses minières. Une nation ne vit pas que de la grandeur de sa superficie. Un pays vit également de l'honneur. Ceux qui sont venus, tous ces, je sais pas, 70% des chefs d'État africains qui sont venus, ce sont des dictateurs. Ce sont des gens qui ne sont jamais arrivés par une élection crédible dans leur pays. Donc, ils n'ont aucune idée de la valeur du suffrage universel. Mais même eux, quand ils arrivent, parce que l'Union africaine à laquelle ils appartiennent tous a décrié les irrégularités graves qui ont entamé la crédibilité des résultats publics à Pananga, mais plutôt par Kadima. Et je disais tout à l'heure que Félix Tshisekedi aurait dit, ne serait-ce que par respect aux Congolais, commencer dans son allocution à reconnaître que plus de 13 500 machines ont été trouvées entre les mains de ses gouverneurs, de ses ministres, de ses députés, de ses hauts cadres, y compris à l'IDPS. Vous avez vu au Kassai 5-6 machines retrouvées au siège de l'IDPS. Alors, les partis de Tshisekedi Tshisekedi doivent mourir, s'il vous plaît. Et donc, pour nous, il aurait dit fait cet effort-là de reconnaître d'abord, et ensuite venir proposer ce qu'il a proposé. Maintenant, parlons de sa proposition. Il parle du porte-parole de l'opposition. En réalité, c'est un stratagème. Un stratagème qui consisterait à appeler certains esprits faibles dans l'opposition pour mordre à la maison et ainsi légitimer les chaos électoraux qu'il y a eu. Je suis très heureux d'être aux côtés de mon frère Jacques Meshabani, qui nous a conduit, qui a eu la lourde responsabilité de conduire toute l'opposition aux élections de 2011. Et je sais que c'est l'un des rares qui est resté le même de ce côté-là. En 2011, Kabila avait fait un passage en force. Non, moi, Prince Pengé, Martin Fayulu, Jacques Meshabani, Pierre-Jacques Chaloupa, Fang Diongo, y compris Félix Tshisekedi, on a été gazés. On nous a tirés dessus, on nous avait arrêtés quand nous réclamions l'audit du serveur central. Kabila n'en avait pas voulu, on est allé aux élections, parce que Kabila avait imposé sa force, et à l'issue des élections, Kabila avait débauché au sein de l'IDPS, Kombo Kiss, père son âme, pour être premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ici, la stratégie consisterait à débaucher certains opposants, faire des... Et pour de l'opposition, parce qu'on va dire que l'opposition elle est plurielle, oui, mais cela ne résoudra absolument rien. Cette crise de légitimité dans laquelle nous nous enfonçons. Voilà. D'où pour moi la solution pour la DD Congo, pour les CD, pour tous les partis de la Mouka, pour notre candidat Martin Fayulu, ces élections chaotiques qui ont été organisées pendant 7 jours et 7 nuits.
n'ont pas permis à désigner un vainqueur et un vaincu. Martin Fayulu n'est pas un vaincu, Moïse Katoumi n'est pas un vaincu, Docteur Mkwege n'est pas un vaincu, Prince Peng, je ne suis pas un vaincu, pas plus que Félix Tshisekedi ne peut pas se déclarer vainqueur. Et donc, qu'il prenne un micro pour dire que voilà, l'opposition doit faire son, doit jouer son rôle. Nous avons toujours joué ce rôle, nous, pendant ces 5 ans, la Mouka. Mais ici, il s'agit d'une situation dramatique qui vient de se passer, dans la mesure où priver tout à un peuple, priver tout à un peuple, sauf son droit de désigner qui vont mûrir les idées dans l'opposition et qui vont avoir la lourde responsabilité de gérer ces affaires. Malheureusement. Lorsqu'on vous suit, lorsqu'on suit Prince Epengue qui représente la Mouka ici, lorsqu'on suit Maître Ferdinand Kambéré du FCC, on se rend compte que vous parlez les mêmes langages, n'est-ce pas? Vous auriez souhaité que s'il y a contact entre vous et le pouvoir, c'est autour des discussions, n'est-ce pas, autour de ce que vous appelez chaos électoral. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi une façon pour vous de répondre à l'appel du chef d'État? On sait comment les choses commencent dans ce pays, hein. Ce ne serait pas un processus, n'est-ce pas, qui pourrait, demain après demain, aboutir aux discussions sur les porte-parole de l'opposition, sur l'éventualité, n'est-ce pas, de la participation de l'opposition au prochain gouvernement? Parce que tout commence par des discussions. Et vous souhaiterez qu'il y ait des discussions. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon, une forme une certaine réponse que vous donnez à l'appel du chef d'État? Vous parlez d'une main tendue. Moi, je vois plutôt une main fermée. À moins que mon frère Jacquemin Chabani, qui est ici, puisse me contredire. Quand on tend la main, on reconnaît les erreurs. Quand on tend la main, nous sommes des Bantous. Vous êtes assis sur une chaise, pleinement assis sur la chaise, et vous me dites, venez vous asseoir avec moi. C'est pas possible. Si aujourd'hui le chef de l'État accepte la proposition, c'est-à-dire qu'il se met autour d'une table avec vous, il reconnaît qu'il y a eu chaos électoral et que, parce qu'il a reconnu, vous, la concession que vous allez lui faire parce qu'il a quand même reconnu, c'est de continuer la discussion avec lui. Est-ce que vous n'allez pas aboutir finalement à cette discussion sur la désignation d'un porte-parole au sein de l'opposition? J'en viens. La main tendue veut dire on reconnaît les chaos électoraux qu'il y a eu et on considère que le Congo est notre bien le plus précieux. Parce que c'est le Congo qui nous rassemble. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, on établit les responsabilités. Qui a fait quoi? Et on dégage une solution pour ramener les Congolais à des vraies élections.
Voilà. Moi, je ne voudrais pas venir ici vous donner le point de vue de Jacquemin Chabani, qui était aussi un des collaborateurs dans cette émission-là. Pourquoi je ne veux pas vous donner son point de vue? Parce que moi, j'ai constaté, ça c'est moi qui parle, que M. Jacquemin Chabani a montré pratiquement une certaine insuffisance. Et moi, je crois que c'est là où, quand je me disais, je ne sais pas si vraiment l'opposition de 2011 ou bien de 37 ans de lutte pour venir nous faire un duplicata d'une dictature qui a été installée. Ça, c'est mon point de vue. C'est pour cela que je me suis dit, je laisse cette partie-là de Jacquemin Chabani, parce qu'il n'y a rien qui contient là-dedans une certaine valeur d'un juriste. Et moi, ça me fait très mal à voir que nous sommes en train pratiquement de répliquer ce que nous avions déploré pendant beaucoup d'années. Bandeko, notre pays a de la valeur. Mbokanabiso a la valeur. Président Yemoko Alobaki, nous avons encore beaucoup à offrir dans le monde. Et le monde nous regarde. Et le monde regarde comment est-ce que nous sommes en train de nous prendre en charge, de nous gérer. Sinon, selon moi, toutes ces guerres qui viennent de l'Est, à l'Est de la République démocratique du Congo, ce n'est qu'une façon de nous dire que nous ne sommes pas capables de nous prendre en charge. Alors, moi, pour rentrer dans le sujet d'aujourd'hui, le président de la République fait appel à l'opposition. Et l'opposition fait comprendre clairement que ils ne sont pas contre cet appel-là. Mais il y a des préalables qui doivent être mises sur table. Ils appellent à un dialogue. C'est-à-dire que le président Félix devrait revenir à ce qui n'a pas été correct. Et qu'est-ce qui n'a pas été correct? Rappelez-vous de mon émission quand je vous disais que Kadima a été mise à nu, la tricherie à une certaine pourcentage, même si en 2018 nous pouvons dire qu'il y avait la tricherie, mais cette tricherie d'aujourd'hui est flagrante. La tricherie de 2006, elle était là, mais elle n'était pas comme celle que nous avions vécue en 2011 et en 2018 et en 2024, en 2023 c'est pire. Et c'est là où je me dis, nos partis politiques, lorsqu'ils disent que non, écoutez, nos partis politiques sont là pour concourir à arracher le pouvoir et le garder le plus longtemps possible. Mais c'est dans quel but? C'est dans quel but? Quelle est l'idéologie que vous voulez implémenter, que les autres doivent venir vous accompagner? Qui va bénéficier à tout le monde? Nous avons vu toutes ces démocraties, soi-disant démocraties, depuis 2006. Que le pays continue à se chercher. Pourquoi? Parce que je crois que les partis politiques ne font pas bien leur travail. Ou bien ce sont les idéologies que nous, Congolais, nous ne parvenons pas à comprendre. C'est quoi un parti politique? Comment agréer un parti politique? Il y a des choses qui sont flagrantes que moi je pense qu'aujourd'hui, l'opposition est dans le droit de dire que nous avions lutté pour que ces histoires ici ne puissent plus rentrer. Et je dis par exemple, quand les autres disent que non, le PPRD et les autres de FCC ne peuvent pas leur donner les leçons. Non, mes chers amis. Vous ne pouvez pas venir au pouvoir pour commencer à faire ce que les autres ont fait, en vous justifiant que non, vous aviez fait ça, pourquoi pas, est-ce que vous ne voulez pas que nous puissions aussi le faire? Et c'est ça la contradiction qui se trouve dans nos politiciens. Nous voulons venir apporter quelque chose de nouveau. Mais regardez encore l'erreur qui est flagrant. Par exemple, que quand le président de la République dit que non, nous allons corriger les erreurs du passé. Mais il est déjà dans cette erreur-là. La première des erreurs que nous dénonçons ici, ce sont des manifestations grandioses. Au stade de martyr, faire remplir le stade de martyr et en faisant donner à mon alliance la présence des gens au stade.
Nous ne sommes pas humbles. Nous ne voyons pas ce que nous pouvons faire. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là pour corriger. C'est ce que moi je dis aujourd'hui. Moi, je pense que le président de la République a commis encore une grosse erreur. Nous avions entamé le mandat dans une façon glorieuse, en nous proclamant des victorieux, en faisant des manifestations grandioses qui ne servent pratiquement à rien. Ça servira à quoi aujourd'hui? Ça va servir à quoi aujourd'hui dépenser beaucoup de millions? On parle là de 30 millions de dollars qui ont été dépensés comme ça pour l'investiture du chef. Et ça, nous restons toujours dans ces erreurs-là. Et c'est ça que l'opposition est en train de réclamer ici. Je ne suis pas pour eux, mais vous-même, moi je vous laisse votre appréciation pour apprécier qu'est-ce que vous percevez de cette opposition. A-t-il raison? A-t-il raison de dire que non? Nous ne pouvons pas venir, par exemple, vous accompagner dans vos chimères, dans vos tricheries, dans ce que vous pensez que non, c'est ça le Congo. Le Congo, ce n'est pas que nous allons rester dans les phrases en disant que le Congo est riche, et le Congo est riche, et que la pauvreté continue à aller dans notre peuple, continue à souffrir. Regardez ce train qui s'est écroulé quelque part là-bas. Nous continuons à endurer une situation qui n'a pas de nom. Et moi, je pense que le problème est réel. On ne peut pas continuer, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on a gagné les élections pendant qu'il y a trop de contentieux. Je ne sais pas combien de dossiers maintenant qui sont enregistrés à la Cour constitutionnelle. Est-ce que la Cour constitutionnelle sera prête à larguer tous ces contentieux-là en une semaine, en trois jours, en quatre jours? Des millions de dossiers qui tombent à la table de la Cour constitutionnelle pour réclamer que non, ces élections-là n'ont pas été des élections. Et moi, je me dis, il y a quand même quelque part où nous pouvons mettre le Congo en avant. Devant tout, il faudrait d'abord que ça soit d'abord le Congo, pas les gens. Et moi, je pense que ce dialogue-là que l'opposition est en train de réclamer et qu'ils sont prêts à venir parler avec Tshisekedi, et que vous allez voir, malheureusement, je vous ai épargné de ces choses trop basses de Jacquemain Chabani qui disait que non, il y a un cadre. C'est comme si ils pensent que ce qu'ils ont fait a été parfait. Les élections étaient parfaites. Tout ira mieux maintenant qu'ils ont les institutions. C'est dans les institutions qu'il faut aller réclamer, qu'il faut aller se battre. D'abord, ces institutions-là, là où il faut aller se battre, aujourd'hui sont à la merci de Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi qui contrôle le Parlement, qui contrôlera le Parlement. Et lorsque nous avons vu les résultats encore des assemblées provinciales, des députés provinciaux, nous sommes dit, finalement, nous sommes dans quel pays? Nous allons aller dans un Parlement monolithique. Déjà, le Parlement, il y a d'autres opposants qui se disent qu'ils ne siégeront pas. Je ne confirme pas, mais ce sont des rumeurs qu'on attend ici, par-ci, par-là, mais il n'y a pas encore une certaine conformité. Il n'y a pas encore la confirmation que le Parlement, les opposants ne siégera pas au Parlement. Et donc, l'IDPS ou bien le président Félix est en train de faire ce que Kabila faisait. Il va débaucher certaines personnes disant que non, vous serez des oppositions. Et donc, nous allons tourner en rond. Et c'est le problème que je pense que l'opposition est en train de chercher à ce qu'on se mette sur une table et puis causer. C'est ça. Moi, je pense que c'est cela que le problème. Le problème est crucial. Si nous ne voulons pas recommencer les choses qui ont été réclamées en 2011, 2006, 2011 et 2018, faisons les choses d'une façon que, ok, même si nous avons gagné les élections, ok, et qu'il y a un problème, et que, regardez par exemple, les opposants disent que
70% ou 85% de la victoire, ce n'est que d'une seule région. Kinshasa sera resté, sera dirigé par une certaine population d'une certaine région. Celui du président de la République, évitez-moi, disons, permettez-moi de ne pas citer ce genre de tribus et tout ça. C'est du tribalisme, ça n'aura pas de sens. Mboka ba dirija kango na lo mate, yangwana tozo kende, tozo kota na kati le lo. Ba opoza baza kolo ba keno, tozo kota keno, IDP se partout, IDP se sala kinini. IDP se e konvekan ki ba tu nini yango po ba vote bango. Est-ce que c'était vraiment une élection libre et démocratique pour que l'UDPS se prenne tout ce qu'il peut? Moi, je crois qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Et c'est par là que les opposants sont en train de rappeler au président de la République que s'ils veulent causer, ce qui ont l'ingito solo là, tout banana nous colobelana nous makambo à l'élection, parce que c'est impossible que l'UDPS ait joué le cognon sur tout. 75% ou bien 85% à parlement qu'aux à la IDPS, à quoi servira les gens d'aller là-bas? Voyez pas, par exemple, les échecs ont commencé depuis déjà la préparation. On parlait que Didier Manara, qui était à la CENI, n'était pas un envoyé de l'opposition. Et c'est par là. Ngana Sili Selana, on a makambo opposition awa. Bandeko, tolobela et pas, il peut tolobela et le comme sous. Moi, je crois que même au sein même de l'opposition, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-ce que vous n'étiez pas capable de vous mettre ensemble ici à Pretoria? Vous aviez fait passer vos intérêts personnels avant. Mais si vous saviez aussi que non, tous sangana, tous à l'opposition, moko, ça pourra être quelque chose de très bien. Et même aujourd'hui, même à Taba Lobby, que non, président Lobby, que non, bon, a réorganisé l'opposition. Ce n'est pas au président d'organiser l'opposition, c'est qui est tout à fait normal. C'est à l'opposition de s'organiser. Maintenant, et qu'aux Alassiko, ce qui est opposition est comme un parlement, ça sera une opposition téléguidée par le pouvoir. Et qu'aux à l'opposition, mon coeur est téléguidée par le pouvoir, c'est le choix du chef. C'est le choix du chef. Et donc, quand vous étiez libre de vous organiser à Pretoria, vous n'aviez pas pu. Et maintenant, aujourd'hui, Boza Kolobaka, opposition, au pluriel. Ça veut dire quoi, cette opposition? Tozo Kenel, est-ce que nous avons besoin de cette opposition au pluriel? Nous avons besoin de cette opposition-là au Parlement. Ça, c'est vrai. Mais, Bakamoupe Bolobi, Awaizaya Solo. Moi, je me dis, oui, c'est vrai, parce que Kokoso Ezali, nous ne pouvons pas avoir un gouvernement ou bien Moutoumoko Kagande Moutouza dirigé Bisso, na Parlement Ezayaye, na Babilo Konyo Ezayaye, tout lui appartient, ça ne va pas. Congo Kozalande Nguanate, mais effectivement, le président de la République, na discours Naye, a reconnaissé qu'il y a un que non. Même si vous n'avez pas gagné, mais vous avez votre place dans le gouvernement. Même si à nommé par opposant. Mais ça, est-ce qu'ils vont l'accompagner dans la tricherie? Allons-nous continuer à cautionner cette tricherie? Et c'est par là que moi je vais terminer cette émission d'aujourd'hui en disant il y a quelque chose qui cloche. Bandekozan est là, comment il faut tobongi ça? Parce que ce tobongi, c'est en côté. Moi je ne vois pas pourquoi est-ce que nous allons accompagner Félix dans son deuxième mandat. Et nous savons bien que par rapport de force, il faut Zala. Ce pays n'appartient pas à un tribu. Ça, il faut que nous puissions vous le rappeler. Pays Oeza et Abissonion surtout. Vous ne pouvez pas dire que non, les gens doivent aller au Parlement pendant que vous aviez un Parlement qui est monocolore. Ce n'est pas possible. Voilà, mes chers amis. Merci en tout cas pour la réaction que vous êtes en train de manifester dans nos vidéos. Je vous rappelle une chose ici, que Moutou Oyaza abonné te aza ko pose nga ba question ebele, nga yi na ko répondre ete. Na ko répondre te na batu Oyaza abonné te. Nous avons besoin de votre abonnement. Pourquoi? Parce que nous voulons passer Contact Pro Live à une émission d'élite, à une émission de masse. L'objectif que nous nous sommes donné dans cette année 2024 est que tout bandako yé la bino ba réflexion moko oyo ya malam.
Demain, nous réfléchirons sur la démocratie. Démocratie est ça la canine. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les piliers de la démocratie? Et ça la canine. Et là, nous allons vous venir avec, je crois, avec une autre personne qui va nous expliquer démocratie zanini. Et puis nous allons donner notre réflexion sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. C'est pour cela que nous vous demandons de vous abonner. Vous allez brancher, vous partagez l'émission. Mais vous n'êtes pas encore abonné, mes chers amis. Abonnez-vous. C'est l'abonnement qui est très important et partagé. Pourquoi vous allez partager? Parce que tant que vous partagez en Gouana, ils ont augmenté visibilité à vidéo. Visibilité à vidéo, donc, tant que Bino Batubaza Kolanda, ils vont savoir effectivement que nous traitons ici d'un problème qui est crucial, c'est la rétrocession du pouvoir au niveau de la base, de la réorganisation de notre pays. Voilà, j'espère que vous avez compris et que vous aviez cliqué sur la cloche de notification pour que vous ne puissiez pas rater aucune émission lorsque nous les mettons en ligne. On se revoit prochainement, portez-vous bien, au revoir.